Et voilà, c'est Dark Z, on se retrouve pour le let's play de Pokémon Emerald, le deuxième let's play. On va jouer encore peut-être pendant 10 minutes et on se retrouve au même endroit, j'ai pas bougé. Non mais j'ai entre l'autre vidéo, j'ai fait que 10 secondes d'écart. Hein. Voilà. Donc on va continuer le let's play. On est arrivé dans la ville et je sais pas quoi faire. Ah d'accord, y a pas la route 102. On passe direct. C'est pas Léo? Non, c'est rien. Ah, on dirait Yoshi là-haut. Ah ben c'est elle. Pardon de t'avoir confondu avec Yoshi ou Mario, comme tu veux. Ah, d'accord. C'est pas comme Diamant et Perle où t'es obligé de passer devant. D'accord. Oh là là, bon, puisque j'ai dit que je vais faire tout le let's play, ben... Au revoir. Ah non, attends, si elle me propose un combat, j'aurais dû l'entraîner, mon Pokémon. Let's see. Let's play. Ok, route 130. Dire que. Ouais, je vais t'envoyer S, comme ça fera dire que. Et je vais capturer Rayquaza et je vais l'appeler Z. Comme ça fera dire que Z. Voilà. Oh non, oh c'est vrai, je viens de. Oh non, je viens de me remplir, il y a les CT dedans. Tu vois, je t'avais dit. Je vous avais dit qu'il y aurait un combat. Oh les CT, les CT. Et je vais perdre ce combat. Non, c'est dans un. Oh non, c'était Pokémon Souls Dark. Oh, le premier combat. C'était. Non, c'était le troisième combat, il était impossible. Ah, d'accord. Non, mais l'attaque. L'attaque miss, c'est ça. Ah, en plus, il est plus rapide. Il a pas d'attaque de type plante. Je suis mort. Oh non, je suis vivant. Ok, c'est bon. On a gagné à 1 point, heureusement qu'il a 21 PV. Et voilà, je suis niveau 6. Ah non, là, il y aura les CT. Oh. Y a-t-il quelque chose de pire que les CT? Mais je ne crierai pas que j'aime bien aussi les CT. Ça dépend de la CD. Ouais, j'aime bien, par exemple, Coupe. Elle a une belle animation. Mais voilà, il faut, faut prendre des Pokémon. Genre des béquipants. Voilà, ça, les béquipants, c'est parfait. Non, parce qu'avant, j'étais... Je te suis ? D'accord. Non, parce que avant. Ah, d'accord, c'est en ligne droite. J'apprenais des CT à Lugia. Au lieu de lui apprendre un set plénitude. Et voilà, on termine cette vidéo comme ça. Non, je plaisante. Parce que ça fait que 2 minutes. D'accord, faut aller. Ah non, attends, j'ai encore un. Un S, il est encore au niveau. Il est encore à 1 PV. Oh là là, c'est la même musique presque que dans Rosa. Ah, c'est sympa. Super. Ok, non, 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 je ne veux pas, 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 je ne veux pas. Non, et non. Voilà. Donc, on y retourne. Ah, ça, à chaque fois dans les jeux, tu vas quelque part. T'es embêté, allez jusqu'à là-bas et tu en te retournes. Ah, le pire, c'est dans Gold Soul Silver. Ah, bah c'est le labo du prof ici. Ouais. Dans Gold Soul Silver, tu démarres à Bourgeon, tu vas chercher un colis. T'as pas de Pokéball déjà, tu reviens. Après, je crois que tu reviens ou tu repars pour une histoire de... Non, la première fois, je crois que tu pars pour chercher le colis. Après, c'est... Il est clos, c'est un œuf, donc tu en fait... Tu continues l'aventure et c'est un œuf, donc après tu dois rendre l'œuf au professeur et il y a aussi le Pokémon volé, donc c'est horrible. Ah, les yeux graphistes. Alors par contre, ça ressemble là ce qui est en bas à droite, le centre de bouton rouge, ça ressemble à Pokémon Ranger. Donc c'était presque la même époque, hein, mais ils avaient déjà une meilleure. C'est quand même un super jeu pour la Game Boy. Hein. Bon, je connaissais pas la Game Boy, mais. Oui, parce que ça, c'est l'émulateur, hein, si vous le saviez pas. Parce que j'ai une super qualité d'image. Alors maintenant, j'y vais, je vais avoir un Flobio, je vais avoir un Lagron. Je vais avoir un Rayquaza. Je vais avoir tous les légendaires. En parlant de ça, j'ai presque tous les légendaires. Hein, il m'en manque que 7 fabuleux dans Ultra Soleil pour avoir une collection complète de légendaires et de fabuleux. Et 300 Pokémon. Hein, il me manque Mew, Celebi, Manaphy, Shaymin, Volcanion et Oupa. Sans oublier Keldeo. Ah, je peux courir, ça c'est tellement bien.
J'avais même oublié de courir. Alors, est-ce qu'on peut vraiment courir dans un jeu de Game Boy? Oh! Oh, c'est super! Oh, j'ai jamais joué à un jeu de Game Boy à part quelques minutes de Pokémon Donjon Mystère le feu. Et Pokémon Rouge. Oh, c'est tellement bien, tu peux courir dans un jeu de Game Boy. Allez, sauver. Ça fait 14 minutes. Hein. Bah, ça fait le compte. Hein, ça fait le compte. Et un Pokémon dans le Pokédex, ok. Il va bientôt évoluer. Je cours comme un... comme une tortue. Je ressemble à un tortipousse. Ça a dû les inspirer. Hein. T'as le joueur, on dirait un tortipousse. Et là, ben, c'est un poussif. Donc voilà, on va le faire évoluer. Ah, mais il tape bien déjà. Et j'ai pas de Pokéball ? Non, de toute façon, je vais pas prendre de Pokémon. Enfin, ça dépend. Parfois, dans certaines parties, je prends des Pokémon. Dans certaines parties, non. Donc, non, là, je vais pas prendre. En plus, c'est Pokémon Emerald, c'est le remake. Non, je veux pas aller dans les herbes. D'accord. Ah non, là, c'est un cul-de-sac. Il faut que j'aille où déjà? Odeltown. Par là. Un peu comme dans Pokémon Rouge. Hein. Oh, de l'eau! Je suis et il va me faire un combat. Allez. Merci. Ah, t'es entraîneur officiel, ok. Ah bah donne-moi des points expo officiels alors. T'en dirais une musique du conseil 4. Ah, niveau 5. S. Comme Superman. Super Pokémon. Superman. Ah, Superman. J'avais pensé à ça, Superman. J'ai rien. Ah, bien sûr. Il paraît qu'il est superbe Gobou en starter, enfin l'agron plutôt. Parce qu'il a juste une faiblesse plante et contrairement à Brasigali, il est assez bulky donc. Et pour le stab, pas de problème hein, avec des attaques sol, c'est sol et haut, c'est très bien. En plus, je crois qu'il peut apprendre ébullition donc ça, c'est une superbe attaque surtout contre l'équipe plante. Et niveau 8, allez, encore 8 niveaux et c'est bon. Ah, j'ai hâte d'affronter la reine là. Pokémon Emerald. Dis donc. J'ai jamais joué à Pokémon Emerald, ni Ruby, ni Saphir. Ni Or, ni Argent, ni Cristal. J'ai joué parce que Gold Soul Silver et j'ai joué à Ruby Omega. Enfin, non, c'était Saphir Alpha. Et Il Gold, ouais. Ouais. Donc, on y va. Non, parce que c'est bizarre, hein, je comprends les youtubeurs, ça doit être. Parce que je vais devenir youtubeur, hein, j'en suis un même normalement. Ça doit être difficile de faire des let's play, de parler pendant 3 heures. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, non, parce que j'ai la touche application à côté. Oh non, j'attends juste qu'ils me mettent les 100 vidéos, comme ça je fais une capture d'écran. Et je vais balancer toutes les vidéos d'un coup, je vais mettre 10 vidéos d'un coup. Ah, il a 2 shiny pots. Presque un one shot. String shot. D'accord. S. C'est bien S. J'aurais pu l'appeler point. Juste mettre un point. Ah, le prochain Pokémon que je vais attraper, je vais l'appeler point, si j'y pense. Ouais, mais attaque! Un peu, voilà, merci! 45 points, vas-y, monte un peu de niveau, s'il te plaît. Donc, on continue. 64, ouais. On continue notre aventure vers l'arène. Enfin, on espère. On espère, j'ai dit. Ah, 9 minutes! Oh là là, c'était long, dis donc, c'était long, je suis à la route 1. Enfin, on peut apparenter ça comme la route 3. Ou la route 2. Non, parce que surtout, j'entraîne mes Pokémon, donc il va avoir surtout ça dans le let's play de l'entraînement de Pokémon. Voilà, j'arrive pas d'appuyer sur le bouton A pour que ça entraîne le Pokémon plus rapidement. Enfin, ça fait rien du tout, mais... Allez, niveau 9. Allez, voilà, niveau 9. Ah, j'ai pas vu ses stats par contre.
est-ce qu'on peut voir les stats? Non. Ah, c'est un dresseur, attends, mais t'es dans une ville. Mais ça se fait pas. Ah ben non, il est pas dans une ville en fait. Ah, oh, c'est bien les Pokéballs comme ça. Et ça, c'est quoi? Ok. Est-ce que je peux sauvegarder dans le combat? Enfin, je sais pas parce qu'il m'a dit de save donc. Ah, on dirait à chaque fois les exactons sont shiny parce qu'ils ressemblent au shiny. Charge, charge, charge. Un PV, d'accord. Et je vais mourir. Putain, j'enchaîne, je fais plus de combat là. Il est bientôt mort lui. 51, allez. Ah, 50 PV. 50. Quand je pense que dans Ultra Soleil, il y a la dernière herbe au chemin du défi, tu gagnes 4000. 4000. Voilà. Ah là là, c'est à chaque fois le son qui revient. Parce que dans Ultra Soleil, le son il fait 3 fois comme ça et c'est bon. C'est un stop. Tu sais que t'es au rouge, c'est doux. Là, non. Imagine, t'es dans des débuts d'un combat, tu vas supporter ça. Ou sinon, tu coupes le son. Voilà. Quant à ça, voilà, ça c'est la meilleure méthode à faire. Ah, donc je remets le son, j'ai sauvegardé. Je cours! Oh, des baies! Oh, des baies orange. Oui, comme j'avais pensé, les baies orange c'est bleu quand même, l'orange bleu dans Tintin. Il y a même un magasin, je crois, une sorte de magasin qui s'appelle Orange Bleu maintenant. Ah, et des baies pêcha, ça c'est très bien. Mais je repère. Ah, tiens, les baies orange, c'est parfait. Ah non, je peux prendre des baies au début de l'aventure. Non! Non! Non, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. On va arrêter de l'esprit ici, je sauvegarde d'abord. Ah non! Je vois les stats et on arrête. C'est horrible, tu sais, quand tu ouvres la bouche. Donc. Ah, ah c'est ça, pas ça. D'accord. Donc il attaque le. Cute chose. Ok. Description. Mais c'est pas tactile en plus. Ok. Moves. Ah non, ça c'est pour les combats. Non, c'est pour les concours. Mode slap, ok. Statistiques. Donc c'est un attaquant. Hein, déjà, on peut voir que c'est déjà un petit attaquant. Et next level 34, ok. D'accord, bah c'est bon, on va arrêter au jeu ici. Hein, ça fait des vidéos de 10 minutes, c'est sympa. Un petit bonus. Un dernier bonus. Là. Ok, non, ça c'est bon, ça va être bon, ça va être bon. Parce que là, ça. 22 minutes. Ok. Et voilà, merci d'avoir regardé le Let's Play Emerald 2 et. Comment dire. N'hésitez pas à regarder le 3 aussi.